Eh bien salut à tous et on se retrouve aujourd'hui vite fait là pour les kills de l'épisode 5 que j'ai oublié de notifier. Vous allez voir, il y en a pas mal. Là, l'Isis est tué par Yoshi. Alors là, gros enchaînement. Félix est tué par Player. Yoshi est tué par Yep. Alors là, de suite, enfin, la poussale. Le dernier de l'épisode 5 était Zolki, a été tué par Pokehead. Là, nous sommes maintenant dans l'épisode 6. De Kill the Gamer, je vous avais promis qu'on partirait dans les... Enfin, se balader un peu, se balader dans les bases. C'est ce qu'on va faire. On récupère un peu tout. Voilà, Geekpo aura fini de faire les potions. Enfin, le temps qu'il termine un peu tout, moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire un peu des bêtises. Je pose de la lave, non, maman. Au final, je vais faire avec de l'eau, ça sera un peu moins dangereux. C'était marrant, j'avais une petite espèce de petite cascade. Bon, ça sert à rien, mais j'avais rien à faire, alors. Ça occupait, Romain avait planté des arbres un peu partout, il avait son skin dégueulasse. Romain, vas-y, viens. Oh, il a été tué par Pokehead, donc voilà, ça, Pokehead a fait beaucoup de kills. On part sous l'effet d'une potion de vitesse. Vas-y. Spawn. La player. Ah, il doit être spawn, les gens là, c'est obligé. Donc. Oui, il a fait un kill, mais bon, il est mort en tombant par terre, donc il y a un peu moins de mérite. Le spawn, voilà, c'est plein d'arbres. Il y a le coffre qu'on cherche. Bon, c'est un peu compliqué. Et puis, c'est vraiment plein d'arbres. On n'arrive pas à circuler. On tombe sur des arbres. Voilà, là, je me prends un dégât. Enfin, pas un squelette. Non, n'importe quoi. C'est où ? Donne tes coordonnées. Et Pokehead fait encore un kill. Dinopony est tué par Pokehead. Et là, surprise. Mais il s'arrête jamais, ce Pokehead. Moins 20, moins 40. Encore pas là. Geek, je te suis, je te fais confiance. Donc, il y a beaucoup d'équipes qui sont hors jeu. Parce que Pokehead les a tués, quoi. Force. Là voilà, merci, après avoir mis quelqu'un, je mange la pomme d'or pétrifiée, on prend 14, les potions, ouais. On fonce. Allez. Je bute le mec à l'arc là. Ok, tu es tué par Geek Power 14. Ouais, c'est bon, putain, ouais, trop bien. Stevie, t'es tué par Geek Power 14. Putain, le diamant a fait tomber. Je suis dégoûté, je suis arrivé juste après. Putain. On a 4 diamants. Potion a... de force, j'ai pris un cœur d'absorption. Donc voilà, il a pris aucun dégât. Là, c'est vrai que. C'est un peu le village de la mort quoi. Et puis personne ne voulait aller dans le puits, ça donnait dans la Blaze Road était au fond, alors moi je me propose d'y aller. Voilà, donc pas de Blaze Road. Je remonte et là Poslovic donne the game. Alors Poslovic c'est quelqu'un qui ne fait pas partie de la game. Alors automatiquement bah je le kick, je suis désolé Poslo, ne m'en veux pas. Je pensais avoir repéré pour la fin de cet épisode quelqu'un dans le désert là-bas. Et donc on décide d'y aller. On se dit oui bon là c'est bientôt fini. En plus il reste vraiment plus grand monde. J'ai pas montré le scoreboard dans la vidéo parce que je l'ai pas regardé. J'étais trop à fond. Donc on prend les potions, tac. Et on y va. On se dit ça va être la fin, combat final, on est potion, on est bon. Sauf qu'au final en fait y a personne. Voilà. Et cet épisode 6 se termine là, du 3v3 en team, ça promet d'être beau et je vous conseille de regarder l'épisode 7 qui sortira mercredi pour le fight final. Allez, à mercredi.